Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Cool au Mic et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander d'enflammer des structures sur Fortnite. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de venir juste ici sur le gameplay, donc voilà à Greasy Groove, vous allez trouver des bocals à lucioles. Donc pour moi c'est la meilleure solution si vous voulez enflammer des choses, c'est avec des bocaux à lucioles. Donc pour vous aider à trouver des bocaux à lucioles, je vous affiche une map avec tous les emplacements des bocaux à lucioles de Fortnite saison 3 chapitre 3. Donc voilà, alors quand vous êtes à un emplacement, regardez, il y a des lucioles, et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement les prendre, comme ça, en appuyant sur carré pour les collecter. Voilà, donc vous collectez les lucioles, un maximum, hein. Vous collectez tout ce que vous pouvez. Hop, donc là j'ai 5 bocales, 5 bocaux. Ah, j'ai pas pu les... Ils sont où? Ok, ils sont là. Voilà, j'ai 6 bocaux. Donc après, il y en a peut-être un peu plus loin, hein, etc. Mais bon, 6 bocaux... Ça devrait suffire pour enflammer 10 structures. Parce qu'en fait, même avec un bocal, normalement, vous avez assez. Vous n'avez pas besoin de 6 bocaux. Mais voilà, au cas où, essayez de prendre un maximum de bocaux. Et comme ça, vous allez réussir le défi très facilement. Donc, si vous avez été à l'emplacement que je vous ai montré sur le gameplay, donc à côté de Greasy Groove, rejoignez directement Greasy Groove pour réaliser le défi. Hein. Comme il y a des maisons juste à côté. Après, si vous êtes en mode construction, vous pouvez peut-être créer des constructions, donc des structures, détruire vos propres structures pour valider le défi. Mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas à venir ici à Greasy Groove et vous allez lancer tout simplement vos bocals à lucioles sur des maisons qui sont en bois. Donc, on peut voir que là, c'est des lattes de bois. Vous lancez un bocal à lucioles. Voilà, vous en lancez un aussi. Bon, là, c'est moitié brique, moitié bois. Donc, ça va peut-être cramer qu'à moitié. Donc c'est incroyable, j'ai lancé le bocal à travers la fenêtre. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi, mais bon, voilà. Donc là, il y a une autre maison en bois. Hop, tout ce que vous voyez en bois, vous lancez. Hein. Normalement, avec un seul bocal, c'est suffisant. Là, j'en lance deux parce que ben, voilà, j'en ai six. Mais normalement, vous en lancez un seul bocal et regardez, la maison prend feu et ça détruit toutes les structures. Donc parce que c'est en feu, hein. Parce que c'est en bois. Hein. Parce que si c'est en brique, ça ne détruira pas les structures. Il vous faudra plusieurs bocals, beaucoup. Donc là, on va attendre. Ça détruira pas toute la maison, mais ça va détruire une bonne partie, regardez. Donc là, ça a détruit facilement 10 structures. Et regardez, de l'autre côté, pareil, hein, la maison là, elle a flambé. Et l'autre maison là, pareil, elle a flambé. Donc voilà, dès que vous aurez flambé 10 structures, enflammé 10 structures avec vos bocaux à lucioles, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.